Eh bien bonjour à tous, très chers émettronics, c'est Freddy. Aujourd'hui j'ai une nouvelle à vous annoncer. Peut-être que ça sera temporaire, mais je l'espère parce que j'ai viré Tiffany. Enfin c'est pas moi qui l'a viré, c'est plutôt elle qui est partie. Deux minutes. Alors, je viens de recevoir un message. Quelqu'un m'a dit qu'un jour elle reviendra. Seulement si Bubble Snuff s'excusait de ce qu'il a dit. Parce qu'elle m'a envoyé quelques screens. Voilà, donc je n'ai pas voulu les montrer. Malheureusement, je suis vraiment désolée. Je ne veux pas les montrer. Voilà, donc bien sûr, je suis toujours amie avec Bubble Snuff. Mais j'aimerais beaucoup que Bubble Snuff s'excuse auprès de Tiffany de ce qu'il a dit. Parce que ça a vraiment blessé Tiffany. Parce que maintenant, Tiffany arrête Snuff pour un moment. Et que voilà. Je pense que Bubble là tu t'en veux. Mais il faut que tu fasses des excuses. Peut-être qu'un jour Tiffany reviendra. Mais je l'espère qu'elle reviendra. Parce que c'était vraiment quelqu'un de bien pour moi. Je l'aimais beaucoup. Qu'elle était vraiment sur ma chaîne. Parce que c'était vraiment la première fois que je recrutais quelqu'un. Donc je voulais que ce soit une expérience. Alors je tiens à dire que pour le moment je ne recruterai personne. Donc c'est pas la peine de me demander si vous voulez que je vous recrute. Ce sera non. Pour le moment, je ne recruterai personne, maintenant faut voir. Déjà, je pense qu'il y a un recrutement en cours que j'ai déjà prévu. Ça sera une surprise. Mais bon, alors là, j'aimerais vraiment que Bubble Snap s'excuse auprès de Tiffany. Enfin, auprès de Bonnie. Ben voilà, ben c'était une vidéo pour dire à Bubble Snap vraiment que tu t'excuses. Et que je voulais vous prévenir les abonnés que Tiffany que Bonnie est partie. Enfin, maintenant je peux dire son prénom. Voilà. Parce que je l'avais déjà dit. Voilà. Et ben je vais vous laisser les animatroniques. Allez, à très bientôt.